Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nanskriban. Entre cette vidéo, c'est tout s'abonner. Cliquez là sur abonner, vous activez la cloche à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Tout simplement, mes frères et soeurs, tout simplement. Vous savez que nous traitons beaucoup de témoignages ces temps-ci. Et nous avons reçu plein de témoignages. Des témoignages que nous avons déjà traités qui sont sur la chaîne. Regardez ces vidéos pour découvrir beaucoup de choses à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui nous a un peu étonné. C'est que un sataniste a dit quelque chose qui m'a vraiment étonné, surpris. Il dit qu'un jour, le diable faisait des plans. Il planifiait des mauvais coups contre qui? Contre les hommes, contre les humains. Et voici que le diable a dit, voici que le diable, Satan, il va dire quelque chose de vraiment grave. Il va dire que les hommes, que l'homme est plus attiré vers le mal que le bien. Donc, inventons des choses qui vont le pousser tous les jours vers le mal afin qu'il ne puisse pas être agréable à Dieu. Waouh! Mes frères et sœurs, ce que le diable a dit là, est-ce que c'est vrai? Ou, dis-moi, est-ce que c'est faux? La partie commentaire t'attend. Dis-moi si c'est vrai ou pas, je t'attends là-bas. Si tu likes, dis-moi pourquoi tu as liké. Si tu dislikes, dis-moi également pourquoi tu as disliké. Satan le diable parle. Ah, il fait des plans de destruction contre l'humanité. Et il a trouvé une faiblesse, une faille sur l'homme. Il a trouvé une faiblesse, une faille sur l'être humain. Il dit qu'il peut utiliser cette faiblesse-là pour avoir tous les hommes. Et ce qu'il a trouvé est vraiment terrifiant. C'est grave. C'est vraiment trop grave. C'est vraiment trop grave. Le paradis nous révèle des informations qui pourront nous être très utiles dans la compréhension de ce message. Mes frères et sœurs, dans le paradis là, il y avait qui là-bas? Quelqu'un avait dit qu'il y avait Adam et Ève, bon, je sais. Mais il y avait qui? Il y avait Dieu. Dieu était là. Mais quel personnage imprévu est venu tout simplement s'ajouter à la sauce? C'était le diable. Ça fait qui? Le bien et le diable. Voilà. C'est ça, la représentation du bien et du mal d'abord. Donc le bien et le mal, ce sont deux esprits opposés. Voilà, tout compris. Et voici que il y aura un problème. Et quel est le problème là? C'est que le mal va frapper fort. Le mal va frapper fort. Sur qui? Sur l'homme. Le mal va gagner sur le bien là-bas. Et ça va pousser l'homme dans la souffrance. Cette désobéissance à Dieu qu'on appelle le péché là, c'est ça qui est le mal ici. Et c'est cette souffrance qui pousse l'humanité au désastre, mes frères et sœurs. Au désastre. Au désastre. Pourquoi? Parce que l'homme ce jour-là a été plus attiré vers le mal que le bien. Est-ce que vous avez vu? Déjà à ce niveau, dites-nous, est-ce que Satan a raison là-dessus? Que l'homme a tiré fait le mal pour le bien là. Est-ce qu'il a raison? Quelqu'un va dire,
Ah, ça, ça n'a jamais erré. Peut-être que eux n'avaient pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, c'était ce que Dieu leur avait dit. C'était qui parlait? Dieu leur a dit de ne pas manger ce fruit. Ne mange pas ça, ne pêche pas. Ne porte pas de vêtements d'homme. Ne porte pas les vêtements de femme quand tu es homme. Et tu vois là, c'est ça, quand tu es homme. Ne porte pas de vêtements de femme, d'homme quand tu es femme. Ça, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la même parole là qui se trouvait où? Dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? L'on fait le contraire de cela. L'on fait le contraire de ce que tu as demandé de faire. Voici comment le diable, voici même la raison pour laquelle, la raison même qui a poussé le diable à dire ça. Oui, parce que là-bas, il a réussi à sa mission. Il a réussi à sa mission. Si Dieu a été même obligé de sacrifier son fils afin de donner un autre espoir, une autre espérance à l'homme, c'est que le diable vraiment a fait un dégât sérieux là-bas. Pourquoi? Parce que l'homme est plus attiré vers le mal que le bien. Et les conséquences de cela sont vraiment trop graves. Quelqu'un m'a dit, bon, on ne comprend pas trop bien. Ok, on y va. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? On lui dit encore que Moïse était allé sur la montagne. Et quand il était allé sur la montagne là, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Dieu se sont détournés de la voix de Dieu pour aller faire quoi? Adorer le veau d'or. Le veau d'or. Le veau d'or ici représente quoi? Et la montagne là ici représente quoi? Ici c'est la montagne et c'est le veau d'or. Là d'un côté la montagne et de l'autre côté le veau d'or. La montagne ici, là, ça représente Dieu lui-même, le vrai Dieu, le bien. Et le veau d'or représente quoi ici? Le mal. Mais qu'est-ce que l'homme a fait, s'il vous plaît, dites-moi, raconte-moi l'histoire aujourd'hui. Raconte-moi l'histoire, j'aimerais bien savoir, là. J'aimerais vraiment bien savoir, mes frères et sœurs. L'homme a adoré quoi? Le veau d'or. Où est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une représentation. Et ce sont des choses qu'on a fait. Je prouve maintenant que l'homme fait des choses vraiment trop bizarres. L'homme a tiré vers le mal que le bien. Satan a-t-il eu raison? A-t-il eu raison? Mes frères et sœurs, c'est pas tout. Prenons un exemple. Un autre exemple encore. Votre exemple cette fois. Votre exemple est ici. Qu'est-ce que les jeunes font aujourd'hui? Qu'est-ce que les jeunes font? Les jeunes ont des rapports sexuels hors mariage. Ils ont des copines. Tu te rends compte que lui seul, hein, il a 5 copines. Comme si elles toutes elles sont enceintes le même jour là. Lui peut s'occuper de tout ça. Hey! Vous voyez, Dieu dit que le sexe est réservé uniquement pour les personnes qui sont mariées. Le diable vient et vous dit que c'est parce que Dieu veut pas vous voir heureux et épanoui sexuellement. C'est pourquoi il dit ça. Maintenant, l'homme, ou encore le jeune, il va dire. La jeune sœur a dit que Satan a raison. Hein? De toutes les façons. Mais le jeune encore va dire que Satan a raison. Hein? Et puis il a appris que quand on n'a pas le sexe pendant un moment là, le sperme se coagule dans le testicule ou bien quoi. Non. Non. Il va mettre des arguments là-bas pour justifier son péché. Parce que l'homme est plus attiré vers le mal que le bien. Mon frère, ma soeur, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné aujourd'hui que beaucoup de chrétiens tombent facilement dans le péché. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné que tel ou tel pasteur que tu connais
l'a trouvé avec une femme dehors, a trompé sa femme, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Ne cherche surtout pas à juger quelqu'un. Ne cherche surtout pas à condamner les autres. Maintenant que tu sais que l'homme est plus attiré vers le mal que le bien, vas-tu juger celui qui est tombé dans le péché facilement? Ça m'étonnerait. Est-ce que Satan a eu raison sur l'homme ici? Mon frère, ma soeur, ce que le diable a dit, c'est la vérité. Mais l'homme peut décider de changer cela et de donner tort au diable. Je dis Satan, non. Aujourd'hui, moi, je dis non. Moi, je vais être attiré vers Dieu. Et non vers toi. Comment tu vas faire ça? Quelle est la procédure? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'apprendre à faire le bien. Quand tu seras en train d'apprendre à faire le bien, là, tu seras en même temps en train d'apprendre à faire quoi? À rejeter le mal. Vous voyez? Et ce faisant, là, tu vas maintenant être attiré vers tout ce qui est bien. À cause de quoi? Du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Dieu lui-même. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour que nous soyons plus attirés vers le bien que le mal maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner un grand cadeau au moment de partir. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit avec toi aujourd'hui. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Voici les trois éléments qui vont t'aider. Un esprit de discernement sérieux pour pouvoir savoir qui est le mal et qui est le bien. Je compte sur toi pour t'abonner à cette vidéo, activer la cloche et travailler dur sur toi-même afin de donner tort au diable, afin de donner tort au diable et permettre au Seigneur Jésus-Christ de se retrouver en toi, de retrouver en toi une source d'inspiration, une source de joie. En te voyant aimer le bien, Dieu lui-même sera heureux et les anges travailleront facilement dans ta maison dans la mesure où, ce faisant, tu leur ouvres une porte, grande ouverte, et Dieu lui-même te bénira de ton œuvre. A bientôt, Seigneur, c'est pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous surtout. Activez la cloche juste à côté. Ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. A bientôt. Merci. Wow. Que Dieu bénisse. Wow. Magnifique. A bientôt.